Yorinasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une live réaction au dernier épisode de Moon Knight, donc épisode 6. Donc la dernière fois on a laissé Marc sur un épisode Un excellent très. épisode. Ouais, sur un excellent épisode, très Pleine touchant. introspection. Voilà, c'était une introspection. Une origin story que je trouve originale. Voilà, parce que là on a affaire à un héros en gros Après, qui est. techniquement, on est toujours dans l'origin story. Oui, mais bon, de ce qu'on a vu en tout cas dans l'épisode 5, on a vraiment vu quelque chose de très. Bon, on a vu l'histoire d'un enfant battu, en fait, tout simplement, déjà qui a vécu le traumatisme de la mort du petit frère, mais qui en plus derrière a été un enfant maltraité, sur le plan psychologique et physique. Et par la mère, en plus. Ce qui n'est pas courant, ça Ouais, aussi. c'est plus Souvent. courant que ce soit le père. Ouais, dans la fiction en général, d'ailleurs, c'est Bon, après, plus. même dans la vraie vie. Ouais, C'est quand oui, même plus courant ouais. que ce soit le père qui maltraite l'enfant. Oui, ouais, peut-être, oui. J'aurais pu mitiger à ce niveau-là, mais bon. Après, c'est. En fiction, c'est plus facile de représenter que ce Voilà, en soit le fiction, père. ouais, je suis Mais d'accord. dans En la fiction, vraie en général, c'est vie, le père. on est plus sur du 60-40. Oui, Si voilà, tu veux aller comme ça. c'est un chiffre que je validerai, parce que bon, c'est plus mitigé que ça, mais bon. Bien sûr. En tout cas, voilà, c'était un bon épisode, donc bah, on va voir ce que ça va Bah, donner. comment on conclut la série là? Exactement, on va voir ce que l'épisode 6 va donner, Qui donc. sortent de sa torpeur là Voilà, donc des dieux et des monstres, Oh bah s'appelle tiens, cet épisode. plein de promesses. Allez, on se lance. C'est même pas le plus long des épisodes en plus. Non, 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 43, 44 minutes. Bon, allez, go! Elle a fait une élimination silencieuse. Triangle. C'était quoi ça? Regardez partout. Laisse tomber, on a des choses plus importantes à faire. Bah oui, bah bien sûr. Mon pote, il est pas revenu depuis 5 minutes, mais c'est normal. Bon, par contre, c'est pas un ennemi que j'apprécie particulièrement. Bah, ça avait bien commencé, et puis depuis, je trouve le personnage est resté Bah oui. assez plat, quoi. J'en vois pas plus que ça, quoi. Bon, on a même toujours un peu de mal à comprendre ce qu'il veut, au juste, tu vois. Ouais, pour l'instant, j'ai toujours pas. On sait qu'il veut se venger en quelque sorte de Khonshu. Mais Personne ne se pose des questions sur la fille qui est parmi eux. Non, mais. C'est trop facile l'infiltration dans les trucs comme ça. Moi, je vois un nouveau dans le groupe, je me dis, c'est qui ça? Oh, il suffit que tu te couvres un peu les cheveux et puis c'est Ouais, bon, tu bah. vois, ça passe, tu vois. Tu mets un petit truc comme ça. Ouais, encore quand c'est des contextes de. On se dissimule dans la foule, voilà, d'accord. Mais là où vous êtes censé un groupe de Ouais, je être un vois. groupe de mercenaires, c'est pas possible que tu laisses rentrer quelqu'un comme ça sans savoir. Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas un moment où il y en a un qui se dit, mais Surtout c'est que qui ce type? si je J'ai me jamais rappelle vu. bien, l'élimination qu'elle a fait tout à l'heure, c'était sur un mec. Donc on a échangé un mec contre une meuf, tranquille, ça passe. Et c'est la seule à garder son truc en plus. Allez, arrêtez. Arrêtez. Et personne se dit c'est qui. Ouais, pourquoi c'est la seule à garder son. Un côté un peu gêné de la lampe là. Parapin. Ah. Il doit être friendly, lui aussi. Non, non, ça va pas l'air, hein. Non, je choisis la folie. Non, mais d'une certaine façon, Steve, c'est son frère. Je choisis la schizophrénie, oui. On vit ensemble, on meurt ensemble. Bad boys for life.
marché. Ah, ce qu'on leur demande de faire, ces pauvres acteurs. C'est un cours de théâtre classique, ça. Ça, pour moi, c'est le béaba de l'acting. Hein. La classe. Ouais. La classe. Avec les cheveux et tout. Non, bah c'est Wonder Woman 84, ça. En mieux, j'espère. Faut pas trop en faire hein, parce qu'on a Sam Wilson qui est chaud maintenant donc on va pas que tu fasses mieux que lui. Ah bah non Steven bah, c'est bien, il était temps. En fait. Bah ça y est, il s'est libéré. Oh voilà, lolo, excuse-nous. C'est bien. Oh lourd. C'est cool ça. Non, c'est cool. C'est vraiment pour nous montrer que maintenant les deux personnalités sont. Ouais. Voilà. Ah. Il va falloir sauver les innocents. Ah bien. L'inspiration. Oh. Voilà. Représentation, tout ça, tout ça. On tire surtout pas dans les jambes. Hein la, non, la troisième personnalité. Puis la troisième personnalité à chaque fois a fait du sale. Et on voit rien. De poisson. J'allais le dire. J'allais dire, t'es attaché, forcément. Meet my friend, Jake Lockley. Ok. C'est sa partie, c'est cette partie-là la plus gangsta alors. C'est ça. Et donc c'est eux qui... C'est cette partie-là qui a les thunes aussi, apparemment. Eh ben... Ok. Ouais, quand même, ça, je suis quand même mitigé sur la fin. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode et qu'est-ce qu'on a pensé de la série, même, globalement Sur le dernier épisode, là, je suis mitigé parce que, ce que je disais, l'affrontement entre Khonshu et... Et le croco. Et oui, le croco. Le délire Godzilla, je m'en fous. Là. Je m'en foutais clairement dans tout ce qui se passait là. Le reste de l'épisode, j'ai trouvé pas mal. Après, le délire de... Encore une fois, c'est Jack qui a pris le contrôle et on voit pas ce qui s'est passé quand il fait du sale. Ça m'a fait chier un peu. Jake. Ouais, Jake. Ça m'a sorti du truc parce que je me dis, merde. C'est l'affrontement final, on nous cut le plus gros... Enfin, la conclusion, c'est quoi ça?
Et au final, dans la série, j'aime bien. J'ai bien aimé la série. Il manquait quelque chose quand même. Je suis d'accord. Parce que. Moi, j'ai apprécié Moon Knight, Bah, ça mais. manque de Moon Knight. Ça manque un peu de Moon Knight, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. J'ai pas trouvé la série exceptionnelle non plus, toi. Ça partait bien pourtant, mais Oui. peut-être qu'il aurait fallu un épisode de plus, parce qu'ils sont dans leur délire de 6 épisodes maintenant. Et peut-être qu'il aurait fallu un épisode de plus, histoire de poser quelques trucs en plus, ou avoir une vraie vraie conclusion, parce que je trouve que là c'est un peu rushé quand même. Puis bah, Leïla, on Ouais. sait même pas ce qu'elle devient, il n'y a pas de conclusion là-dessus non plus. Oui, non, bah, de toute façon, là, maintenant, c'est parce qu'ils ont l'intention de réutiliser Oui, le personnage au ça va cinéma, être dans les donc, films après, quoi. voilà, voilà, à bientôt au Ouais, cinéma, quoi, bah, je suis sûr, clairement, là, ça tu sera continues, l'idée. là, ça va marquer Moon Knight reviendra. Ça, c'est clair. Donc, bon, voilà, mais, moi, j'ai pas trouvé la série exceptionnelle. Moi, à l'heure actuelle, c'est toujours pas ma série Marvel Studios préférée. Je préfère toujours WandaVision. WandaVision, c'est toujours ma série numéro 1. Puis après, ouais. Je mettrais la série à peu près au même niveau que Falcon et The Winter Ouais. Soldier, tu sais, en termes Oui, top 3 d'intensité, quoi, de tu voilà. C'est ça, je mettrais ça à peu près à égalité avec Falcon et Winter Soldier. Mais autre chose que je reproche aussi à la série, c'est que finalement, Moon Knight, il est très safe, hein. Terme de violence. Après ça, Ouais, mec, il fallait s'y attendre. Hein. Ça Ah oui, reste du PG-13. bah oui, Hein. bah d'accord, On le mais savait. d'accord, mais ça n'a pas été plus poussé que ça en fait. Tu vois, tu peux rester PG-13 en poussant. Oui, c'est Là, de vrai. ce que j'ai vu, là, c'est safe. C'est safe. Ouais, non. Oui, Et c'est oui, safe. si tu vas C'est absolument safe. faire du Moon Knight, mais sans rentrer dans les délires, enfin, tu vas absolument adapter Moon Knight, mais sans rentrer dans ces délires où personnage il part dans des délires, bah, où il découpe des gens, enfin, il découpe la face des gens, ou qu'il fasse des dingueries. Faut pas se retenir des adaptés des fois parce que bon. Là c'est sympa mais pour moi il manque un truc dans le personnage. Après voilà, ça c'était une discussion qu'il y avait quand ils ont annoncé le personnage. De toute façon, c'est est-ce que ils vont aller machin et tout. Ouais, mais À partir justement du ça enlève moment, un peu le côté parce que Moon Knight c'est un héros mais c'est aussi un anti-héros quoi. Ce qui fait un anti-héros c'est le fait que le mec il tabasse des gens mais plus que tabasser les gens, il fait du sale. Pour moi, là, j'ai juste un héros. ouais, mis à part peut-être la partie Jake, du coup. Ben oui, mais on te la Voilà. cut. Mais en fin de On compte, te on la voit pas cut. grand-chose, tu Et vois. on sait même pas à quel point il fait du sale. On sait pas à quel point il fait des sales. Si, mais disons qu'on a que le résultat, quoi. T'sais, on a que le résultat de ces méfaits. Ben voilà, donc on n'a que le Sans avoir résultat, on voit rien. l'action des moments où il bute. Ouais. Donc oui, si c'est pour refaire un autre héros, est-ce que c'est vraiment la peine? Là, maintenant, j'attends de voir ce qu'il va faire dans le reste de l'univers. Mais oui, c'est notre caution super-héros. Avec son trouble de l'identité. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, c'est pas un anti-héros pour moi, là. C'est juste un héros qui est un peu tourmenté, là. Il n'y a rien de... Oh, non, c'est Donc, ça, c'est un héros qui a des soucis psychiatriques, quoi. Voilà. Voilà, disons que là, c'est comme ça qu'il est présenté. Mais bon, à la limite, moi, personnellement, en fait, je suis pas étonné, moi, je m'y attendais, quoi. Moi, je Je pensais m'y qu'ils attendais. auraient été un poil plus audacieux là. Franchement, au final, je pourrais dire que c'est très safe. C'est même barré dans un truc qui est très très comic book movie avec le combat, enfin les rayons magiques, enfin les beams qu'on voit, enfin les lasers qui partent, attends, je fais de l'anglophone, avec les lasers qui partent dans le ciel, le combat de kaiju, les gens qui sont possédés à travers pays, mais c'est du classique. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Donc, Je suis d'accord avec toi. La série est plutôt classique, et en plus de ça, sans proposer quelque chose d'exceptionnel non plus. Parce c'est que tu ça. peux très bien faire classique tout en ce que ce soit, et que ce soit très bien. Ouais, mais le pitch de départ, Là, je trouve il pas que promettait c'est. un truc vraiment qui sort du lot.
Oui, à partir du moment où tu vois les plusieurs personnalités et tout, tu te dis tiens, ça va être... même dans les changements de costume au début, tu te dis ah. Et arrivé là, à la fin, on retombe sur un truc très classique qu'on a déjà vu. Changement de costume, tu parles. Non, mais je veux dire changement de costume qui va avec le changement de personnalité et tout. Donc, ça, pour le coup, c'est toujours là jusqu'à la fin. Oui, je sais, mais quand j'en parle dans le début, parce que tu te dis ah, c'est nouveau. Déjà le costume qui apparaît comme ça, le changement de personnalité qui va avec le costume, c'est nouveau, etc. Là, on arrive au point final et puis on tombe sur un truc qui est très commun. Le gentil contre le méchant, dans un combat. C'est ça. Le héros qui ne tue pas à la fin, le. Bon, je sens que je m'y attendais. venant de ce perso, moi non. Bah, là pour le coup, je m'y attendais à partir du moment où ça a commencé à dire oui, exécute ma vengeance et tout. J'ai dit oui. Ouais, pareil, je crois qu'au final, il le tue quand même parce que c'est une autre personnalité. Oui, voilà, oui, parce que c'est la partie de Jake, mais au fond, mais en fin de compte, voilà, Mark Spector et Steven Grant, au final, c'est vraiment les deux personnalités qu'on va suivre et qu'on va vraiment. Qu'on doit suivre et à laquelle on doit s'attacher en tant que héros, quoi, parce que ce sont des héros, voilà. On va chercher le midi à 14h. Bah, j'attends de voir si on fait avec Jake, alors. Oui, voilà. C'est ça. Mais encore une fois, moi, je m'attends pas à quelque chose de... Faut pas s'attendre à du gore ou à je sais pas quoi, tu vois. C'est... voilà, qu'on soit bien d'accord, c'est... Faut s'attendre à ce que ce soit, malgré tout, quelque chose d'assez... C'est safe, comme t'as dit, c'est safe, c'est pas la peine, parce que ça raconte pas grand-chose de plus, quoi. Ça apporte pas de touche en plus, et... Là, je me dis, oui, bah, t'as Moon Knight dans ton univers, maintenant, c'est gentil. J'attends à quel moment il va revenir, mais, genre, par exemple, à partir du moment où t'as un super-héros qui est moins safe que les autres, il y a forcément un conflit avec un héros qui est plus safe, par exemple. Qui fait que ça devient intéressant dans le délire où il y a deux persos qui sont complètement allés à l'opposé. Là, tu vas avoir Moon Knight. Enfin, bon, je sais même pas quelle interaction, si c'est Moon Knight ou Mr. Knight qui va interagir avec qui. Et si les deux, ils sont sur la même longueur d'onde, en mode on tue pas les gens, on fait juste que les tabasser, on leur envoie des lunes dans la gueule et on les tabasse. Maintenant, à savoir ce qui va se passer avec Jake. Voilà, c'est ça, j'attends, mais... Maintenant, c'est limite le personnage qui m'intéresse le plus, là. Vu que c'est celui qu'on nous a le moins montré, celui qui a le plus été cut, qui au final est la personnalité qui se rapproche le plus de ce qu'est le personnage. Oui, bah en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de la série. Donc bon, moi perso, j'ai apprécié, mais sans plus, quoi. Ça va, quoi. Voilà, toujours pas ma... Enfin, c'est pas ma série préférée MCU Disney+, quoi. Donc voilà, hein, bah maintenant, apparemment, il n'y aura pas de saison 2. Il n'y aura pas de saison 2 à la série, apparemment. Hein. Bon, ça me dérange pas, autant balancer dans les films. Donc maintenant, voilà, le personnage, on le retrouvera au cinéma, hein, tout simplement. On le retrouvera au cinéma, soit dans des interactions avec d'autres personnages, pour toutes les aventures mystiques et compagnie, ou alors il aura... Ah, Blade, peut-être. Voilà, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Parce que je pense que le personnage, même si un jour il a le droit à un film, ce sera pas maintenant, tu vois, étant donné qu'il vient d'avoir sa série. Il faut qu'il apparaisse au moins une ou deux fois dans des films d'autres personnes. Voilà. Après, on les redonne en film à lui tout seul, quoi. Ouais. Si jamais il a un film après. Ouais, donc, du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, tchuss.